à la tombée de la nuit, 46 d'abord. 46, après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Verset 47, à la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Verset 52. Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. La version de là, c'est version semeur et ça ne pourrait pas même avec. Voilà. Comment on va appeler pour mon essai? Merci, monsieur Bon. 46, 47, 48 et 52. Quand il l'eut envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Rappelez la créole, verset 46. Après les finir envoyé, yo, la prière sur un timon. Les soleils fin couchés. Pendant que t'es dans la mer à toujours. Jésus était tout compris à terre. 48, les ouais disciples te gagnent plus de tracas. Pour ces avions, parce que va te contraire pour eux. Fait 3 heures dans le matin, Jésus prend marcher sous l'eau de la mer pour la joindre. Il était prêt pour dépasser. Verset 52, il n'a pas comprendre ce miracle parce que l'esprit était bouché toujours. Ok. Maintenant, nous venons prêcher sur un sujet qui est assez, t'as dit, très populaire, son texte. En plus, le prédicateur a pu se prêcher sur lui. Ok. Le miracle, la tempête apaisée, disons. Ok, le miracle de la tempête apaisée, c'est un texte qui est très très connu. Bon, pile prédicateur qui prêchait sous lui, il enseignait l'empile. Mais c'est sous lui matin, nous choisissons, suivant l'hymne, les servants, pour nous parler, pour nous enseigner au matin. Ce texte-là, c'est la main. Texte-là, c'est la main. Ça n'a pas de ouais dans le texte matin, c'est la notion de complétude ou bien la perfection qui vient à l'évangile. L'aide parle de complétude ou bien perfection chez Dieu, c'est que son bon Dieu, pas rien commencé et pas fini. Ok? L'aide n'a pas parfait, ça veut dire pas des folies complètes. Tout ça, c'est de gain, gain. Mais là, nous dit Dieu, elle a parlé de la perfection, de la notion de complétude chez Dieu, c'est-à-dire, c'est un Dieu qui finit toujours tout ce qu'il a commencé. Vous dites, par exemple, commencer à rien pour ne pas finir. Mais c'est aspect ça, surtout la poète, la carrière de Dieu, en d'un texte ça. Tout ça, nous dit, commencer à finir. Si vous regardez le monde, okay, l'univers qui est créé, après, son bagage qui est total, son bagage qui est complet, son bagage qui est exact. Bon, harmonie, dans tout ça qu'on décrit. Tout bagage dans la création, tout bagage qui est chita, pas une pièce faille, pas une pièce défaut de la création. Ok? Allez, il y a un sens, ça allait de tout ça commencer. Après, lorsque mon Dieu commence la création, avec la lumière, il dit que la lumière soit. Et ouais, la lumière fut, j'ai vu de la dire. Premier objet
la lumière, mon Dieu, crie. C'est-à-dire, n'importe qui qui l'a, ce qu'on va faire, si on a fait noir, il n'y a pas qu'à avoir bien pour faire. Il faut que je une lumière. Et bien, au tout début, Dieu créa la lumière. Ok? Il crée la lumière, dans ta partie, comme un signe pour guider toute respiration, un symbole pour montrer qu'on va qui commençait. À partir de la lumière, maintenant, il est possible pour continuer. Et vous parlez, la Bible va continuer, puis va le verset Bible, on va dire, au septième jour, Dieu acheva. C'est-à-dire ça qui est commencé là. Il finit. La vie, bon Dieu, va jamais commencer. Rien ne peut pas finir. L'apôtre Paul, dans Philippiens 1er verset 6, les combats écrit avec Père Philippien, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonheur, là, il n'a pas fait. Ok? Il dit, bon Dieu, il n'a rien commencé du tout. Il ne peut pas finir. Et mais c'est aspect ça à regarder. Mais le jeune a regardé là, il a regardé d'une façon tout à fait différente. Des gens peut-être, ou t'as imaginé le palmaïen. Bon cantique, nous avons habitué à chanter, puis nous dit, Israël campé devant la mer rouge. Il ne pas connaître ça pour faire un danger. Et au seul bagage, il a été brillé. Bon Dieu, ma chambre commencé pour ne pas finir. Ok, avait dit, bon Dieu, tu as commencé à délivrer Noa face à la mer rouge. Là, les papiers de Noa, la fin délivrer Noa. Processus de délivrance qui commençait dans la vie Noa, la fini. C'est pas devant la mer rouge, bon Dieu a fait bloquer avec. C'est pas la destination. C'est-à-dire, bon Dieu, tu as dit Moïse, il parle pour un peuple en Égypte pour entrer avec Canaan. Maintenant, devant la mer rouge, il prend pour Canaan. A dit, bon Dieu, pas quitter là. Côté le bras, il faut être fini. Ok, il faut être fini. Même si tu as une situation, ok, bon Dieu, tu as un pas tel côté avant. Ou arriver, ou à vivre contraire totalement, ou par moyen, encore, pour arriver côté ça, bon Dieu, dit, ou même faire bon Dieu confiance. Parce que son bon Dieu de perfection, son bon Dieu complet, qui est bien. Son bon Dieu complet. Même le matin, n'est qu'à perfection. Et complétude, ça, la parole de la caille. Ok? Il n'y a pas seulement okay, en matière de délivrance. Il n'y a pas seulement dans le cadre du processus de délivrance. Bon Dieu, commencé dans la finie. Ok? La finie. Mais tout, il parle de perfection de Dieu. Ça, il est parfait. Tout ça, le voulait dans la vie. Tout ça le fait, tout œuvre, son bagage total, qui complet, même les souffrances pour nous tous. Il y a des souffrances pour Dieu entendre, ok, pour passer. Bon nombre d'années, bon nombre de temps, pour Dieu entendre, pour faire des souffrances, ça a. À dire perfection même, non seulement complétude de totalité, bien en lien, livré totalement pour passer 5 ans dans ça comme souffrance. Ok, dans sa perfection, il n'est pas coupé le bout, non. Ok? Il va couper donc, mais c'est soit spécial. L'un du monde est total, mon Dieu complet, mon Dieu parfait. Même les épreuves pour vous. Ok? Même les épreuves pour vous, Dieu mesuré. Vous Dieu mesuré, épreuve pour vous. Ça veut dire, nous avons toujours épreuve dans la vie chrétienne, bien souffrance. Chrétien qui est pour connaître, dans ta ville, c'est des bagages qui mesurent. Mon Dieu, bon commencement, bon fin. Pour chaque épreuve dans la vie. Et, dans la mesure, vous devez prendre tout net pour entamer dans leur face. Pas d'épreuve de vous de susciter dans la vie comme chrétien. Pas de souffrance comme chrétien de susciter dans la vie que vous connaissez. Ok, pour ne pas vous prendre et puis pour entrer dans l'autre étape là. C'est tout net, c'est après le fou tout net, parce que son mot est parfait lié. Qui parle fait tout dans la souffrance. Ok? Qui est d'accord pour nous endurer. Qui parle fait tout dans l'épreuve, dans la calamité. Nous devons rencontrer dans la vie chrétienne. Mais c'est sous ça la chita. Perfection n'a pas les complétudes n'a pas les âmes. Ce n'est pas dans le cadre du processus de délivrance. Mais c'est surtout dans le cadre. Si on doit connaître en tant que chrétien comme souffrance, que mon Dieu mesuré, que mon Dieu défini. Ok? Que mon Dieu défini. Si nous regardons rapidement le texte que nous lisons, Marc chapitre 6,
versets 46, 47, 48 et 52. Vous pouvez lire tout de Matthieu 14. La tempête a pesé. Si nous regardons très bien, dans le verset 46, 47, disons. Le verset 47, votre disciple exposé à une épreuve. Et épreuve ça, le verset 47 et le verset 48, pas nous ont idée sur ça qui m'a parlé à là. La question des complétudes, la perfection de Dieu qui plaît, ok? Tout ça, nous devons connaître, même nos souffrances, nous devons total là. Soit regardez dans le verset 47 et le verset 48, ou après épreuve ça, disciple, vous avez fait face avec là, le début et le fin. Et vous regardez le début là, vous regardez le fin, vous regardez le après son mari qui complète. On regarde rapidement dans le verset 47. Il dit, dans le verset de même là, se meurt à la tombée de la nuit. Le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. À la tombée de la nuit, le bateau arrive dans la mer. Il commence à souffler. Vous voyez où il est? Il commence à la tombée de la nuit. Ça, c'est le début de leur épreuve. À la tombée de la nuit. La version 8 secondes. Vous avez dit ça? La 8 secondes. Non, comment est-ce qu'on fait 57? Le soir étant venu, il s'est dit, il se met à dire à la tombée de la nuit. Dans la Bible, il y a verset 46 là, on va dire après les prévoyants, verset 47, il dit les soleils finent coucher. Le début de l'épreuve. On a verset 48 là, il y a pour nous faire l'épreuve là. Qui s'est dit? Verset 48. Mais version parmi il dit, il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire vers la fin de la nuit. Il se dirigea vers eux en marchant sur les seaux du lac, vers la fin. Dans le verset 47, le poème a commencé à la tomber. Pendant le soleil, fête fin coucher, pendant la nuit, la fête a peine commencé. Et l'épreuve là, fini qui va à la fin de la nuit. Complète. Toute nuit là. Complète. Si vous comprenez, et que l'Esprit de Dieu vous prie intelligence pour casser ici. Pour casser ici, ça va dire. Ne se met à la tombée de la nuit. Et dans le verset 48, il a dit vers la fin de la nuit. Moi, j'aime ça. C'est bien. À la tombée, il a dit le commencement de la fête a commencé. La nuit, la fête a commencé. À la tombée de la nuit. Et dans le verset 48, là, à la tombée de la nuit, c'est le commencement, l'épreuve là. C'est les vents commencés. Les vents commencés à la tombée de la nuit. Jésus a fini par aller marcher sur les eaux pour la délivrer. Ok? Pour apaiser cette tempête là, qu'il est vers la de la nuit, je sais ça. Le Bible là, il dit fait 3 heures de matin. Fait 3 heures de matin. Ici, la première créole. Le verset 47 a dit le soleil fin couché. Le soleil fin couché, pas en commencer. Le verset 48 là, il dit, fait 3 heures le matin, Jésus prend marcher sur l'eau de la mer pour la joindre d'ici. Ouais, le soleil a fait coucher et l'épreuve a commencé. Et l'épreuve a fini, il fait 3 heures le matin. Alléluia. Fait 3 heures le matin. Vous pouvez imaginer combien de temps disciples fait sur l'eau ça. Tout pour 11 heures du soir. Tout bon, minuit, 1 heure, 2 heures. 2 heures du matin, va souffler. Okay. Et Christ entend, qui est Christ entend, venir mettre fin à l'épreuve là, c'est fait 3 heures. Alléluia. Et l'épreuve là, comment c'est qu'il est? Le soleil fin couché. Nous faisons entrer dans le port pour dormir. Ok? Les fêtes à pleine nuit, l'angélisme fait à tomber. L'épreuve là, comment c'est? Et pour qui ça, Christ
sont obligés de tendre, c'est juste vers 3h du matin. C'est parce qu'il faut que les soins qui nous connaissent, il faut que les soins qui nous comptent. Vers 3h, ça veut dire à la tombée de la nuit et vers la fin de la nuit. C'est-à-dire le début et la fin de l'épreuve. Nous allons regarder bien et réfléchir bien pour être comprendre ça. La complétude chez Dieu. Conversion qui dit, il y a une version qui dit, au milieu de la mer, toute leur habilité était anéantie. Alléluia. Vous avez dit, vos côtés, nous l'avons fait comme si, en tant que fait connaisseur, les qui connaissent bien, ils ont fait tout ça, toute stratégie possible. Tout ça au bien en termes de méthode, lorsque vous avez fait face à des situations compliquées sous la mer, vous utilisez vous ne pas marcher et vous ne pouvez pas ça encore pour faire toute leur habilité. Et c'est anéanti. Il y a une version qui dit ça. Malgré ça, Christ qui t'a l'aigle, développer toute stratégie possible. C'est juste fait 3h. Au moins, peut-être que je ne peux pas faire des codes encore. Mais face ça, le moment ça t'apparaît. Il ne va pas apparaître le moment ça. Mais il paraît fait 3h. A dit, vous dites entendre, il compte qu'il est pour fini. C'est l'air qui sont venus pour faire prendre. Nous parlons tout le texte des 4 veilles de la nuit. Mais on va parler de complétude. On va passer tous les 4 veilles là qui passaient. Tous les 4 veillots. C'est-à-dire, c'est tout net. Ça, on a pensé de moi. C'est tout net pour ça. C'est tout net, c'est toute épreuve là. Dieu est un Dieu de perfection, de complétude. A dit, même jour, ouais, soit vous avez commencé des livres là, la fin des livres là, et bien vous épreuve tout. Soit vous avez entendu pour commencer par celle, vous avez entendu tout pour finir par celle net. Et l'autre pour passer net, et l'être là, la fin, la préapparition. Vous avez toujours fait une stratégie pour mettre fin avec mon épreuve. Sans l'être pour vous arriver, mais pas mon Dieu. Nous avons fait tant que vous avez fixé des finis pour épreuve. La durée, c'est libre de durée. Si vous faites une stratégie, ça a fait peur. A fait cadeau. Mais mon Dieu lui-même nous dit tant même de fixer. Les épreuves de nos vies sont mesurées par Dieu. Ça, mon Dieu est consacré. Parce que nos bénédictions, nous avons commencé à bénir, on a fini de bénir, pas peur. Nous avons commencé à bénir, on a fini de bénir. Joie, nous avons commencé à passer avant la petite. Nous avons passé avant. Des jours, nous avons grâce à passer avant. Nous avons commencé, non, on ne peut pas finir. Yes. Et même parce qu'on a commencé tout même dans la souffrance. Nous avons mesuré. Depuis comment sont les épreuves. Et pour commencer, on processus de souffrance. Vous comptez à quoi qu'on est. Et pour commencer. Vous dites que c'est défini. Et vous dites ça là, comme épreuve. Il commence là, toujours dit là. Il dit après 2 ans, ça a fini. Épreuve ça, la préfère avec, pour passer dans l'autre étape. Et qu'on s'allie. Et vous commencez dans la première veille là, à la tombée de la nuit. Lors de la première veille, vous passez 2e veille, 3e veille, et la 4e veille là, vers 3h. Nous venons au bout de la nuit, à la 4e veille, la dernière veille, pas qu'il y a encore. La 4e, non, Jésus est intervenu. Il n'est pas venu la première, ni la 2e, non. Ni la 3e, non. Il est venu la 4e, non. Parce que c'est 4 veillées, c'est l'offre de tous les 4. Christ entend pour finir. Ça enseigne nous. Qui ça? Le fait que Christ vienne à la 4e veille. La dernière bout, nuit là. Il commence, et pour la commencer, le commencement de là, et Christ vient dans la dernière boucle là. Qui ça s'enseigne nous, c'est ça. Si tu avais essayé de tirer quelques leçons spirituelles là-dedans, c'est que, ok, puisque c'est tous les 4 ouais, au plan, et même j'ai un tout, toute épreuve, ouais, commencer dans la vie, c'est tout net, donc j'ai entendu, tout une planète. C'est un Dieu de perfection, c'est un Dieu. De complétude, un Dieu total, un Dieu parfait dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, il est parfait.
Le processus de brisement, la vie, nous, Dieu est parfait. Tout ça doit connaître pour briser ou apporter tout net. Tout ça doit connaître comme souffrance pour capable de chrétien total ou apporter. Faut connaître. C'est un Dieu total. Dieu parfait. A dit, vision l'évangile, ça, lui obligé à dire non, obligé d'accord. Ok? Facette l'évangile, ça, phase l'évangile, ça, pour prêt. Ok? Pour prêt, pour subir les épreuves du commencement à la fin. Sentiment, ça, on veut gagner, on veut développer un don. Ok? On veut comprendre l'évangile à un niveau, ça. Ok? On veut développer compréhension, ça, de l'évangile. En pleine foi, nous avons des compréhensions développées par rapport à l'évangile qui parcellaire, ou bien t'as dit, ont une vision qui n'est pas totale de l'évangile. Il y a des aspects. Il n'y a pas tous les aspects. Ça, c'est l'un des aspects de l'évangile que nous devons assimiler, que nous devons accepter et d'accord. Et c'est ça, maintenant, nous devons enseigner. Nous devons être prêts, d'accord, subir les souffrances, les épreuves. Vous êtes prêts, vous êtes d'accord pour vous débriser du commencement. Processus de brisement dans notre vie. Vous êtes prêts, d'accord, du commencement jusqu'à la fin. D'ici que vous passez 4 veilles. Alléluia. 4 veilles. Vous passez 4 veilles. Et on va nous trouver ça tout à l'heure. Et si vous ne pouvez pas entendre, prenez toute épreuve là. Si vous ne pouvez pas entendre, regardez. Subit tout moment net et puis pour mon Dieu finalement mettre fin à appel ou à ajouter pas nous tout ça ça que mène les disciples là dans 4 veilles ça là ça que mène dans 4 veilles ça là c'est ajouter faut prendre tout ça mon Dieu voulez comme souffrance quand vous pouvez accepter et faut prendre du commencement jusqu'à là. Vous ne mettez pas fin là-dedans. Pas de mettre fin. Pour qui ça, mon Dieu, obligé, voulez nous subir la totalité des épreuves. Pour qui ça? Malgré parfois, bah, la conne, river nos niveaux, nous ne sommes pas capables encore. Et malgré ça, pour mon Dieu, entendre, c'est tout net. Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que son mon Dieu est méchant? Est-ce que c'est parce que mon Dieu n'est pas comprendre nous? Ou bien, pour qui raison même? Bon Dieu obligé comme ça envers nous. Pour qui ça, bon Dieu obligé comme ça envers ces chères créatures. Il y a une raison bien fondamentale qui fait que c'est comme ça bon Dieu voulait. Qui fait que bon Dieu voulait nous passer la totalité. Ok, les épreuves, nous subir la totalité. Bonne raison. Parce que les épreuves, les souffrances dans la vie du chrétien, il y a un rôle qui est joué. Qui est très fondamental. C'est eux qui façonnent, qui font des ou chrétiens qui ont hier. Ok? C'est pour raison ça. Bon Dieu entend pour nous subir les épreuves du commencement jusqu'à la fin. Les souffrances du commencement jusqu'à la fin. Qui fait bon Dieu mesurer même des lots de souffrances et puis susciter leur vie nous, les mesurer et puis pour nous passer. Eh bien, raison. C'est parce que c'est Dieu qui fait de nous, ça nous y est comme chrétiens. C'est Dieu qui l'a pour construire la vie nous. C'est Dieu qui l'a pour briser nous, pour transformer nous, pour faire de nous notre monde. Un monde total qui fait de nous contre mon Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a fait de nous contre mon Dieu. Et pas que nous qui a servi mon Dieu, c'est le bâton d'elle. C'est Dieu qui a brisé la chair d'eau. Ok, qui fait disparaître le vieil homme et qui fait apparaître l'homme nouveau. Vous ça dit? Il dit dans Ephésiens, chapitre 4 là, il dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revertir l'homme nouveau. Ça dit, à revertir l'homme nouveau. Pour revertir l'homme nouveau, c'est au travers des souffrances, c'est au travers de croiseries, l'homme nouveau apparaît. Alléluia. Au travers de la crucifixion de la chair. Ancien homme, dans Romains 6, il dit,
sachant que notre vieil homme a été crucifié. On parle de la crucifixion ici. Notre vieil homme a été crucifié. La crucifixion, cloué, crucifié. C'est souffrance du Christ. Notre vieil homme a été crucifié. Comment vieil homme l'a crucifié? C'est au travers des épreuves. A été crucifié avec Christ afin que nous ne soyons plus esclaves de la chair. C'est-à-dire, notre homme naturel, charnel, qui nous y est, nous ne pouvons pas faire l'évangile avec. Dans Romains 8, il dit, verset 8, la chair, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est-à-dire, la chair pas qu'à faire votre plaisir. La chair, l'homme naturel, pas qu'à faire votre plaisir. C'est l'autre monde, ok? C'est l'autre monde qui brisé, c'est l'autre monde qui est votre pétrie, qui a fait volonté de Dieu. Mais la raison d'être sous pression, c'est faire de nous des chrétiens total, faire de nous des chrétiens réels. C'est ça. C'est raison ça qui fait que nous mesurer les souffrances. C'est pas tout ça. Pas les chrétiens, pas les gens même comme chrétiens, qui ne peuvent pas mesurer les épreuves. À un moment où il y a l'homme dans la vie, il va là où il connaît, et qui est mesuré par Dieu. Et que matin à jour, il faut vous passer tout net. Pour ne pas couper la dent, pour ne pas rétrécir la dent. Ok? Il faut vous prendre tout net, pour ne pas réduire la dent. Même quand vous êtes disciple, vous passez tout, faites-le. Sur l'homme. Toute nuit là, vous faites la tempête. En nuit de tempête. Toute nuit de tempête. Toute une nuit, la tempête. C'était une période dans la vie. Même dans la période dans la vie. Je connais la tempête. La tempête. Je connais ça. Il faut être prêt. Faut prêt. Parce que Dieu, c'est pas parce qu'il est méchant, Joël Doula. Mais c'est pour le café. Pour qu'on soit total. Il va aller pour nous connaître. Il fait des solides caractères faibles. Ou bien nous qui musclés, qui ont un caractère. Qui va leur faire passer dans la vie? Ou est-ce que vous avez un bon caractère d'homme? Vous avez un bon caractère qui fait? Vous avez un tien solide dans l'évangile? Vous avez un bien planté, bien chita? Et pour ça, c'est pour qu'à faire, pour qu'à faire, pour qu'à renouveler, pour qu'à venir dans le monde. Peut-être ça vous dit attendre, il fait nous passer parfois par le processus du prisme, il fait nous passer parfois par la souffrance, par diverses épreuves, et qui tout à fait mesuré, qui complète, qui total. Même les épreuves, ça a la vie, n'est qu'il était mesuré. Il y a une nuit, mesuré. Faut qu'on ne pas penser tout. Épreuve, je n'ai pas parlé là. Nous finissons tout raison d'être là. C'est pour qu'on ait qu'à faire. Mais bon, on n'a pas d'ailleurs comme t'as aimé, si t'as souri pour les adaptés à la. C'est que, pendant que Dieu veut ouvrir tout là, et un pile fois, nous pouvons sentir bagarre à Pologne, nous pouvons sentir, regardez, nous ne pouvons pas supporter encore. Mais il y a une bagarre que nous connaissons, Dieu est avec nous dans les épreuves. Dans les diverses souffrances qu'il suscite dans notre vie, il est aussi là avec nous. C'est où pour dégager, à partir de mon Dieu qu'on est à voir, pour saisir ça comme opportunité, pour ne pas quitter le défaillant. Un pile pour aller nous quitter le défaillant, c'est pour nous, mais quand les preuves ont traversé, c'est parce que nous oublions c'est Christ là. Comment on peut dire Christ là? Alors, ce que vous appelez le texte là, vous dites Jésus, pour y aller, ça me fait lui-même, il ne part pas monter. Et nous, il est là, nous allons tout ça. Tout à l'heure, le verset 46 dit après, il finit envoyé, là, la prière sur Timon. Laisse-le être couché quand on a été dans la main. Christ, physiquement, il va monter dans notre place avec les. Mais qui sont-ils là, fait là? Christ a la prière sur une montagne. Verset 46 là, après l'avoir congédié, le second là, après avoir renvoyé la foule, il se rendit sur une colline pour prier. Et puis on dit, il faut être disciple de l'évangile. Il forçait au monde de Bacra, il dit, passez, voilà le bord.
m'a fini. Nous mettons à aller devant. Nde. Et ça, il y a tout Christ fait. Christ a la prière. Physiquement pas là. Mais il était en prière pour ses disciples. Parce qu'il te connaît à qui ça a capable de faire face. C'est ça, on peut se connaître. Dieu est avec nous dans les épreuves. Dieu est avec nous dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans les diverses souffrances que nous sommes appelés à endurer. Dieu est aussi présent. Dieu est là. Ça a besoin d'entrer. Même si elle rêve. Mais consolons avec ça. Qu'on est que mon Dieu. Il va quitter nos souffrances, nos épreuves. Pourquoi? Christ a prié pour discipliner. Les connais n'est que pas la supporter bagaille ça. Quand tu es vague, tempête ça, toute une nuit. Frédit, vent. Et gloire, montez que notre gloire, bataille que notre la pencher, la virer. Christ connaît ça après. Force n'est pas trop petit pour lui. Il y a le Christ Boréo. Pas le Christ Boréo, Aléa. Il n'y a pas le Christ qui a pris plaisir. Il se rendit. Il s'en alla. Yes. Sur la montagne. Alléluia. Pour prier. Sur la montagne pour prier. Et là, nous, côté Christien, la carte n'est pas. Il est souvent là. Et n'est pas dans la mer. Il voit les gens qui ont des difficultés. Il voit ça. Allez, qui contrôle la situation. Regardez bien ce que ça dit. Il dit, il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal. Alléluia. À ramer. Car le vent leur était contraire. Alléluia. Vous dites, ouais. Nous sommes hier. Vous dites, ouais. Vous dites, ouais. De loin, sous la montagne. Ok. En train de prier. Il vit. Alléluia. Il vit. Que les disciples avaient beaucoup de mal à laver. Lui, ouais. En étant de loin. Alléluia. En étant loin sous la montagne. Lui, ouais, quand même. Vous pouvez vous comprendre ça. Même si parfois, pasteur, la présence de Dieu, dans une situation compliquée, la foi, vous pouvez vous connaître mon Dieu là, quand même. Dieu, Jésus est sous la montagne. Pourtant, nous, il vit. De loin, jusqu'au montagne là, on a regardé les gens sous la mer. Il voit quand même. Il voit ça passer. Il est au courant. Alléluia. 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 Amen. Il est au courant. Juste sous montagne là, il est au courant. La prière sous montagne là. Et en même temps, alléluia, il est au courant. Que disciples nous traitent là. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Alléluia. Ça veut dire, peut-être qu'ils sont courants là, ça le voyait. Et bien, ta prière qui l'a fait là, Christ est possible de vous la dire, Dieu, mon Père. Mais si c'est bien, on n'est pas capable. Mais comment nous sommes observés, moi, à beaucoup, mais à bataille, avec feu, avec gloire, à compter notre là, il y a bataille. Moi, parce que petit Seigneur, Dieu, quand vous prêtez au secours, la prière, il dit ouais. Elle dit s'il ouais, s'il ouais, et vous nous avez prié, vous avez prié. Eh bien, notre prière, comme vous la placez, yes. Mais pas le Père, yes. Pour les disciples. Vous bataille la petite, vous bataille la foi de mon Dieu, vous disciples là. Parce que il est ouais. Alléluia. Parce que Christ ouais. N'a rien dit au matin. Christ ouais. Alléluia. Même si elle monte sur mon taille, mais ouais. Alléluia. Sorry. Il est ouais. Yes. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Pieds boyaux sur mon taille, pas empêcher ouais. Alléluia. Il est le Dieu omniscient. Alléluia. Amen. 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 Oh, bien boire, pas qu'à parler, pas qu'à empêcher, Dieu, même sur la montagne, ces cieux peuvent arriver jusque dans la mer. Alléluia, Dieu t'a traversé, fais boire, tout pile bien boire, Dieu t'a traversé, t'a filé, passé, arrivé, jusque dans la mer. Pour ouais, il est omniscient, il connaît tout, il sait tout. Mon Dieu, ouais. Il va rester sur mon taille là. Alléluia. Il dit nous passer. Le bord a fini.
passez à l'autre bord. Passez, allez. Et pas parce qu'elle doit aller. Et nous devons aller faire pour qu'on ait. Il va faire. Pas de doit aller. Il monte sous mon nom. Il garde. Il a toujours eu. Il a besoin de ça. Premier bagage, il a besoin d'assimiler. Qu'elle est saisie. Le 400 là. Et pour prêt, pour capable prêt, pour accepter les épreuves, les souffrances du commencement jusqu'à la fin. Premier bagage, vous assimiler. C'est pour votre bien. C'est pour Christ à faire. C'est pour qu'on ait un chrétien total. Et deuxième bagage, nous appelons carrément assimiler. Hein? Qui fait épreuve, ou bien durer, ou du commencement jusqu'à la fin. Deuxième bagage pour assimiler, c'est que Christ est au courant. Et Christ est contrôle la situation. Christ est avec toi. Christ te voit. Deuxième bagage pour assimiler. Ça, on veut le connaître. Et c'est ça qui fait. Ou obligé d'accord passer pour là. Et parce qu'on connaît premièrement, c'est pour garder nos mouvements total et deuxième qui s'accord. Deux raisons ça y est, Mario. Deux raisons ça y est. Que vous faites route avec vous. N'importe ça qui t'a arrivé sur route de l'évangile. Et pour embrasser, pour faire route là. Parce que c'est pour votre vie. N'importe ça qui veut, c'est pour mon bien. Christ veut les faire. Bon Dieu veut faire le monde total. T'es profité de la situation ça pour garder la paix. Alléluia. T'es profité de la réalité ça qui suscite là dans la vie. Situation compliquée ça. Difficulté ça. T'es profité parce que les gars ferment au monde. Et profiter ou profiter de vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on connaît le rôle. Des souffrances de la vie du croyant. Lorsque vous venez se profiter, alléluia, on va profiter de l'hôpital. Au lieu de prier, vous profitez, on va profiter de l'hôpital. Alléluia, on va utiliser l'hôpital. Ok? Pour la vie chrétien que nous avons hier. Et tenez-vous à l'hôpital avec joie. Alléluia, c'est tenez-vous à tenir pour vous. Multipliez à l'oreille de mon Dieu. Alléluia, amen, 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 amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. C'est la réalité de l'évangile pour cela. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre la réalité profonde de l'évangile pour cela. Ok? C'est l'évangile réel. C'est pour là. Ok? On qui sage dans mon Dieu, on qui intelligent dans mon Dieu, c'est dans l'attente des situations compliquées pour profiter de l'eau. Pour l'avancer, pour comprendre mon Dieu bien. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Alléluia. Vous ne pouvez pas d'accord tout. Mais dit mon Dieu, tu prêches. Tout hier soir, ma prière, tout hier, ma prière. Et puis ma prière, plusieurs batailles, mon Dieu, pour mes yeux. Et maintenant, le texte, il y a plusieurs révélations dans le monde. Et ma prière, qui ça, qui aspect, ou un tamarin. Et il dit, allez là. Entrez dans l'une salle, ma prière là, il faut entrer là, dans l'une salle. Avec son évangile réel, ma prière là. Son bouquet de mandat, mon bouquet. Et ça, il dit, entrez là, entrez dans l'une salle. La perfection des dieux dans nos souffrances, Dieu est parfait. La perfection des dieux touche nos souffrances que nous devons endurer. Il dit, mais ça. Et de nous comprendre ça pour moi. Alléluia. Même pas de commencer pour ma finir. Même la souffrance dans la vie, tout Dieu ça pour moi. Alléluia. Souffrance dans la vie, les bagailles, je dois connaître. C'est du début jusqu'à la fin. Il dit, Allah, entrez là dans le texte ça. Ok, à partir des disciples. Ok, du commencement de la nuit et jusqu'à la fin. Entrez dans le texte ça, puis montrez ça pour moi. Ça, mon Jésus. Alléluia. Par contre, pour qui est-ce? Mais vous dites, mais l'île, ça a bon prêt. Et puis c'est ça qui fait ses livres la moyenne. Les situations compliquées. Le chrétien sage et intelligent. C'est un acte de nous profiter de l'eau pour qu'on l'autre niveau de mon Dieu. Pour comprendre mon Dieu en l'autre champ. Parce que mon niveau de compréhension que nous atteignons des cieux, c'est après l'épreuve. Alléluia.
Alléluia. Amen, amen, amen. Au niveau Dieu, pour l'ouvrir sur mon Dieu, c'est après un long souffrance. Et puis qu'on fasse tête des dieux, et t'as l'église ouvrir sous lui. Après ça, plus qu'on est. Pas pour ça. Qu'on fasse tête. Il y a plusieurs phases de mon Dieu. Il y a dimension, il y a profondeur de mon Dieu. Il va être pressé. Mais mon Dieu, c'est après une épreuve. Après une épreuve. De percer. C'est ça que vous obligez de profiter de vous. Le chrétien sage et intelligent. Ok? Doit profiter. L'attendre en situation difficile. L'attendre. Après, je vois un chrétien persécuté. Moi, je vais lire l'évangile, ça. Vous dites, ben, moi-même, la réalité. C'est-à-dire, l'évangile dans le soir, réalité, le fondement, moi, ça. Okay. Réalité de quoi est fait, la réalité de l'évangile. Et c'est ça. C'est ça, quand tu dis moi et ça, yo. Réalité de l'évangile, saisir l'évangile là, le niveau de l'évangile. Comme si l'évangile c'est pour bagarre, comme si, comme au hasard, mais son bagarre qui est bien planifié. Quand ça vous dit, les souffrances de nos vies sont planifiées, sont mesurées. A dit, ouais, l'évangile c'est pour bagarre, fan. Et mon bagarre, quand il dit, comme ça, il va faire, il va coller, il va pas comme ça. L'évangile a calculé. Dieu a calculé l'évangile. Dans la Bible, vous êtes destiné, vous êtes mesuré. Lorsque vous êtes chrétien, vous êtes faire l'évangile ça là. Vous êtes connu bien la ligne, la vie. Tout ça, vous êtes vrai, tout comment, tout ça, vous êtes vivre comme souffrance. Tout état. Ok, c'est l'évangile pour s'allier. Pour s'allier. Et pour bagaille vague, qui est lié. Et pour bagaille vague, qui est lié. Des dimensions, madame. Il va la connaître, il va la percer. Faut d'accord, il nous faut connaître. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Seront. Ce n'est pas le travail, par la persécution, par les problèmes, ou par les épreuves, ou par un rien comme si des difficultés. À quel niveau que ça soit, du fait qu'on fait l'évangile, ou pas de l'opposition de l'ennemi, en face où, ou t'as de griver question de tes tout. T'as de griver question de tes tout pour comprendre ce qui a passé. Pour avoir de l'opposition de l'ennemi, comment on va faire l'évangile, et n'y a pas opposé à vous. Ok? Il n'y a pas opposé, pas peut-être rien à vous. Ok? Faut nous poser même, faut nous poser. Il débarrasse pour connaître. Réalité, l'évangile, pour saisir. Le niveau lié. Le niveau de l'évangile. Saisir. Nous devons subir la totalité des épreuves. La totalité des souffrances. Et nous pas de peur, l'Église. Nous pas de peur parce que Christ. Christ a le contrôle. Christ a le contrôle. Et sans la là sur la montagne pour prier. Alléluia. C'est un Dieu responsable. Il est responsable. La prière là, c'est pour les disciples. C'est pas pour la foule. Quand il s'agit de la foule, il est renvoyé eux-mêmes. Les gens qui ont des difficultés là, les gens qui ont passé trahir là, ce sont les disciples. Prier ça, c'est pour les gens qui ont des difficultés. Bon Dieu entend, vient délivrer les gens qui d'accord, qui d'accord accepter ce que c'est. Les gens qui courent pour l'IA, ils sont là sur la montagne, ça va pour la foule. Je ne sais pas si tu sais, c'est pas pour la foule. Ils sont là sur la montagne, ça, c'est pas pour la foule. Ils sont là sur la montagne pour prier pour les disciples en difficulté. Les disciples en danger. Les disciples qui acceptent de monter là-bas. Oui, la foule, je lui renvoyais déjà. Je renvoyais déjà. Avec prière, ça c'est pour les gens qui sont bas là. Les gens qui sont d'accord, fleurs les preuves là. On ne parle pas les preuves là. On ne parle pas bénéficier de prière. En plus, il faut que tu es au Père. Que tu es au Père. D'accord, l'évangile là. Avant rien, on n'a pas de difficultés. Et puis, on ne peut plus battre pas. Par contre, si Christ a prié, par contre, si mon prière protecteur, mon prière a déposé, mon prière,
pour les gens qui n'aiment pas là. Et ça, on garde bien. Même pas là. Mais que tu as choisi par monter. Parce que c'est forcé, oui, je suis forcé. Ah. Peuple, c'est bon. C'est forcé. Forcé, je sais qu'on va mener bien. Forcé. Ok, ça va mener bien tout. Je sais qu'on va me faire obliger. Ça va me faire presser. Verset 45, verset 45, il dit, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter, de faire remonter. C'est-à-dire, il était habitué comme le bac là déjà. Christ est remonté. C'est bac là pour nous. Alléluia. Par contre, si vous comprenez, allez remonter là. Pressez, pressez. Mais place pour nous-mêmes. Nous savons que nous voyons aller déjà. Je ne sais pas qui lieu, qui endroit côté au préalé, mais nous-mêmes, au lieu qui est destiné pour nous qui c'est là-bas. Remontez, faites vite, montez bon, montez pas là. Prenez ça. Aussitôt après, Jésus prenez ça. Mais lui, c'est bon, on va dire, Jésus obligea. A dit obligé, on dit, mais c'est monté, mais c'est monté, pas là, montez, pas là, c'est monté. Et tu fous aller, allez, 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 allez. Nous mettons, montez là, montez. Obligea, pressa. Les disciples à remonter. Et nous même ça à Seigneur Jésus. J'ai dit à remonter. Et c'est ça pour nous. Et là, t'es déjà. Et là, nous tourné encore. Pas quitter ma classe. Remonter ma classe. Même si on parle pour les fleurs d'un père. Remonter ma classe. Remonter ma classe. C'est ma classe. C'est lui, Dieu destiné. Jésus choisi. Comme lieu, et n'a rien ça vous. Là, au Cabagoué, la destinée des disciples, il précise. C'est-à-dire, un droit que vous devez aller à, il précise. C'est là-bas. Quand il s'agit de la foule, laissez un droit et voilà. Est-ce destiné ou non pas précis? Quand on parle, ça a défini. Ça a défini. Je vous renvoyez, je ne vais pas me dire lieu, non. Ma continue, alors que pour les disciples, je dis, remontez là-bas. Vous devez penser pour qui est-ce. Vous devez penser pour nous. Même si vous n'êtes pas classé dans le flot d'un peuple qui parle. Y aller, je vais vous demander à nous. Vous t'avez dit là. Vous t'avez dit là. Comme si Christ. Et la foule, les privilégiés, ou bien la foule, les pécheurs, puisque vous pouvez aller à ces disciples eux-mêmes, vous dites, Jésus pressé, vous montez au bac, pour y aller connaître sa souffrance. Vous avez dit, ah, plutôt que tenir la foule là, pourtant c'est pas ça. En deux, on va faire Jésus, s'en aller à prier, vous parlez comme ça. Jésus, bon, là, pour faire intervention à la quatrième veille. Alléluia. Amen, 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 amen. Finalement, la foi apparition. Dans 23 ans, je vous peux la dire là. Dans 23 ans, la fini quand même. La fin de mettre fin. Yes. Et pour la bonne fin. Il y a un commencement, il y a un fin. Dans 23 ans, et quand on est déposé, alléluia, il a marché sous l'eau. Il va calmer ton peuple. Il va mettre fin à l'épreuve là. Il va mettre fin à la souffrance là, à la difficulté là. Il va mettre fin à faire. Vers la quatrième veille. Nous sommes déjà à la quatrième veille de la nuit. Première veille a passé, deuxième, troisième, on a passé. Nous venons à la dernière veille, à la quatrième. Et bien à la quatrième. Et pour arriver dans le bouclier. Et pour arriver dans le fait. Difficulté à arriver dans le fait. Et depuis qu'il vient dans le fait, il n'y a pas à résister. Christ a obligé de dire au moins à calmer. Parce qu'il vient dans le fait. Parce qu'il vient dans le fait. Depuis que j'ai fait, depuis que j'ai déposé pied, depuis que j'ai fait apparition, j'ai obligé de calmer. Parce que j'ai fait la boucle. J'ai fait la boucle. J'ai dit, n'est-ce pas, on a vie au planifié. Alléluia. Vie au planifié. J'ai eu l'heure pour subir. J'ai eu l'heure pour être avec Jésus. Pendant qu'il s'appelle la multiplication des pains, il va être pour manger. Bon, l'heure qui était finie pour remonter. Bah là, gole pour connaître un père et gole pour
Christ dit, t'as fait calmer. Quand est de la foule, pour la l'heure pour finir, pour joindre manger. Et bon l'heure, pour renvoyer, et c'est fini. Renvoyer pour qui va, pas que nous voulons. Destiné, pas précis. Saisi, t'as on saisi. Bon l'heure, pour renvoyer. Et après ça, quoi, on renvoie. Quand est de sa vie après? Tout ça qui est là, qui peut-être, qui vivait la caillou, pour ça tout, qui est au milieu de la route, qui a rencontré, qui est peut-être un bois maconné, qui a rencontré au bagage qui fouille avec eux, qui est au tatouillé, qui est peut-être à manger dans le cas, parce que prière à ma bouillot, prière c'est pour nous qui n'a pas fait l'épreuve, et pour être mon Dieu connaît, c'est l'épreuve au milieu de la bas. La foule, quand on est preuve parle, quand on est difficile de parler, on est prêt à mais ne faites pas dans le bac là. Parce que, nous qui sommes dans le bac là, c'est nous qui sommes pressés. Nous qui sommes obligés. Nous ne sommes pas obligés. Nous sommes des libres même pour faire ce que vous voulez. Et bien, souffrance qui a besoin de cette souffrance, pas eux. Prier Jésus à part vous. Connaissez de la foule. Leur destinée, la foule, la destinée de la foule n'était pas précise. Alors que, pour les disciples, même si le bac là, il y a un vent soufflé, des tempêtes, mais qu'on rêve fixé, qu'on destiné au précis, ça y a qu'on est, qu'on fait pour entrer dans leur face. Et après, on peut apprendre le son ça, et puis, par terre et tout, à fait. Il y a une dame complète totale. Alors, pensez, Pierre, t'es qu'à mon lumière, ce flot ça, ce vague ça, les apôtres après, le voilà. Qui va être très puissant, il y a toute préparation, ça y est. Toute préparation, son destiné lié. Et dans chaque parcours, mon tempête qui s'est planifié, et on vit plus de passer. Tempête pour là, est-ce qu'on fait pour vivre plus de passer? Tempête qui nous maturité, et pas pour effondrer l'Olivini. Christ a volé la tête, Christ qui contrôle lui, est-ce qu'on fait pour passer? Malheureusement, pour une crise qui contrôle la situation, comme chrétien, pour une crise qui contrôle la crise, contre tout bagaille, même si on a passé, même dans la nuit, dans le songe, dans le convoyé, Christ au courant, malheureusement, pour ça. On a fait des prêts, on a fait courir, des valeurs, on va venir d'accord, on va venir appeler libéraux pour passer, on va venir lâcher corps pour subir. Et bien, on va venir tout ça. Et on va venir lâcher corps pour subir. Mon corps est lié dans mon Dieu, pas jamais lié. Et on a toujours achouné. Et si mon Dieu était en train de dépasser ça comme difficulté, ou gâter, tout ne pas passer, ou pas jamais atteindre notre niveau. On va recommencer. On va finir. On va recommencer. Ouais, ça peut être. On va nous trouver. Dans verset 52, ça peut être négatif. Et nous, on recommence maintenant avec le tombé qui met de la tempête là. Pour maturité, nous avons été atteints depuis le miracle de multiplication de pain qui nous fait devant les gens. Nous avons été atteints en termes de niveau, en termes de maturité. Nous avons raté, nous n'avons pas atteint nous. Et puisque nous n'avons pas atteint nous, Christ ne peut pas son l'autre état. Le son, nous avons été apprendre, mais nous n'avons pas apprendre nous. Et même pas que nous apprenons le son sur leur forme. Vos bagailles, ou pas d'accord passer sur leur forme, pour être révisé. Gardez ça 52. 52.1, après. Puis il monta auprès d'eux, dans le bateau. Le vent tomba. Il montait, et puis vent calmé. Le vent tomba, il a pu frapper de stupeur. Verset 52. Quel rapport? Écoutez bien, dans la Bible, rien n'est écrit pour rien. Dans la multiplication des pays, ça a fini passer déjà. Vous n'avez pas parlé des tempêtes apaisées. Pendant la tempête, ça a fini calmer. Jésus a résolu le problème totalement. Pour n'y avoir pas de précision maintenant, pour qui ça a été une tempête ça. Verset 52, il a retourné dans la multiplication des pays. Pour qui raison? Pour qui la Bible? Pour qui répétition ça? Mais là, pays a fini déjà. Qu'il y a l'église qui résout le problème, mais la seconde heure du cas. Conjonction de coordination. Il n'avait pas compris ce qui s'était passé au sujet des bons. Mais cause, il fait les deux, a été ajouté, les deux pas saisi, les deux ratés.
occasion, ça peut être apprendre à travers le miracle de l'éducation des pères. Apprendre, de tomber là, dans le cas de faire ça. Tomber là-dedans. Et le Christ nous délivre de le cas. Il n'avait pas compris le miracle de la multiplication des pères. Leur intelligence était affublée. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi le miracle de la multiplication des pères. Et même plus que le pas saisir, et ça fort, ouais, ça fait que ce type là, le délire. Ça la vie. Il n'y a pas été pour moi. Soit qu'il a prêt à la, mais ça suit. Mais ça t'a blé. Mais ça t'a blé. Le cas, il n'avait pas compris. C'est parce que le pas saisi, il était raté en première occasion. Donc, go bagage dans le dit là, qui nous fait l'esprit. Soit suivre. À travers la multiplication des pains, Christ donne leçon qu'il était vrai pour nous apprendre à appréhender. Ouais, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas appréhender, et on peut tomber dans ça. Soit gardez bien pour eux. La multiplication des pains, j'ai son miracle qui fait des bons négociations, et à partir des miracles, on va apprendre. Niveau ça, les difficiles, pour y aller à tout il y a subi un bagage qui est plus grave. Est-ce qu'on saisit? Le lieu pas saisir la multiplication des pays. Mais les autres pays ont joué les protons et les tempêtes là. Tempête là plus grave. Qui va le pas la colle pour nier? Puis les volets qui sont leur forme, la vie plus grave. Ou pas civil sur leur forme, qui est plus féroce. Et l'évangile. L'évangile, pour s'allier. L'évangile comme ça. Et si Jean mon Dieu définit l'évangile là, on va obliger de vivre comme ça. On va obliger d'accord comme ça. Ou pas d'accord comme ça, c'est ou pas besoin de rien. Et là, vous avez toujours chicata et ou pas besoin de comprendre mon Dieu. Ou pas d'accord de vivre comme ça. Ou à ajouter. Ou pas d'accord réalité, ça présente pour nous à tout en maturité. Ou récuser, ou faire raccourci, ou contrer carré, ou contourner. Quand on compte contourner, on pense à cette situation, on pense qu'il y a ça fini. Puis des vents sont leur forme, puis féroce par contre. Les gens bêtisés, la multiplication des pères, les gens pas apprennent rien comme les gens bêtisés. Les gens jouent, mais Christ dit, ma fougraille, on entend pas dans la mer. On va faire fleur dans la patte, nous. On va faire apprendre le son sur leur forme. Montez ma cabane. Alléluia. Et tout juste après l'explication des prières, le Christ peut monter ma cabane. C'est passé. Alléluia. Pour ne pas être raté, même quand on raté, Christ dit tout de suite, on le passe. Alléluia. On le passe. Tout de suite, rapidement. Même quand on va contourner la réalité, on va le vivre. Tout de suite, nous devons le battre, planifier rapide. Il finit. Devant. Et les claquer de mon fils. Vous saisissez pourtant. Donc, allons, la réalité va se passer. Vous dites, oh, mon point, c'était fini. Quand parler comme faire, quand parler intervention faire, pour me résoudre le problème, ça leur vie. Comment il peut me parler là encore? Oui. Pour le parler, les gars, jouer. Multiplication des pains. On vient à quoi ça fait. On vient à quoi ça fait devant les gars. Les gars, apprendre les leçons qu'ils mais il a joué, mais il a distrait, mais c'est pour eux. Maturité, que vous devez plus là-dedans pour comprendre qui est-ce qui est. Il n'y a pas compris, il a joué. Le fait que Christ n'a pas de problème. Pas de problème. Montez ma claque. Faut la regarder. Et si vous parlez de ne pas comprendre, vous parlez de faire comprendre pour le fond. Et pour le faire comprendre, il démarque pour la d'abord. Pour la réglementer avec les dieux. Pour passer les dieux par on l'a détaillé. Il dit, fou, allez, on va le bagaille à moi, il dit. Alléluia. On va le leçon, on va le bagaille. On va le bagaille. Pas de problème avec nous-mêmes. Comme foule, pour ne pas comprendre. Il est normal, nous-mêmes, c'est manger pour te manger. En termes de bénéfices, il est normal, c'est manger pour te bénéficier, nous bénéficier. Pas de rien encore, c'est de comprendre. Nous devons bénéficier en plus que manger. Nous comprenons, nous, pas de problème, allez. Nous-mêmes, pressez-vous, obligez-vous, montez. Même les
rapidement, immédiatement. La foule, merci Jean-Luc. La multiplication des pains. Mais l'exaïo, t'en dates pas parler de tête. T'en dates, non, tout ça. Car leur intelligence était aveuglée. N'est que pas tout le niveau ça là encore. Leur intelligence était aveuglée. L'intelligence était bouchée. N'est que pas comprendre rien à la tête. Le passé, c'est rien. Et que mon église, des bagages qui fait des bons, il n'y a pas comprendre nous. Alléluia. Il va qui fait des vols, qui prennent comme simple, comme rien n'était. Il n'est pas saisi. Il n'est pas saisi. Puis des vents. Puis des vents. Sont méprisés à la. Ça passe des bons bons gens avec comme nous assimilés. Ou pas pour rater l'occasion. Puis des vents. Maintenant. Puis des vents maintenant. Je me disais que remontez bon. Foule à l'évêque. Manger a fini. Phase manger a fini. Maintenant, face maturité, que besoin nous apprendre dans le disciple, nous besoin saisir face maturité, face épreuve, souffrance que nous connaissons. Bagage ça pas pour nous, nous ne pouvons rien nous-mêmes. Nous ne pouvons assez de rien pour ça. Allez, allez. Comment aller sur maturité? Je vais vous donner rien. Allez, il renvoie la foule. Il renvoie la foule. Et presser les disciples. Parce que Christ est obligé de presser. Parce que le son doit apprendre. Le son peut rater à la. Faut vous saisir, faut vous prendre quand même. Pour vous, puis les gens côté de la voie. Dis pas qu'il va être vagabond. Ah, si démon Christ pas qu'il va être vagabond. Démon Christ pas mal vague. Christ pas mal disciple vague. La faut comprendre. Christ pas beau vague. Alors, je dois être juste que tu es aveuglé. Et bien, c'est même la foule là. Foule là, pas comprendre. N'est-ce que tu vas comprendre tout? Pour qui ça, Christ, il y a une attitude envers la foule et une attitude envers les disciples. Tout n'est pas comprendre. Tout n'est pas comprendre. Et bien, Christ, il estime que c'est normal que la foule là, pas comprendre. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés de comprendre. Montez la bataille. Nous sommes obligés de comprendre. Nous nous hier, Christ pas compagne. Sans le saisir comme le son a saisi. Sans le connaître. Bagage à pas jouer. Pas comme qui est. Donc il vous ça. Bagage à l'envie ou toujours pas jouer. Ou pas comme d'avoir subi là. Dans toute intégralité là. Ou pas d'avoir subi sous forme ça. Ou pas subi sous l'autre forme. Ou pas d'avoir subi sous forme ça. Christ a passé pour l'autre moyen. Bon Dieu, papa, nous va comme ça. C'est un Dieu de complétude, Dieu de perfection, Dieu de perfection. Il fait les deux remonter. Il a pris à mettre les deux dans la mer. Fouille là. Et encore là, on est bon bagaille. Nous avons attiré l'attention sur lui. Il y a trois actions qui posaient là. Foule là. Allez, il faut y aller. Disciples forcés. Puis il a dit, ils étaient forcés. Il n'y a pas de capable de monter. Qui est-ce qui a envie de faire mon tapis là? Mais Christ forcé. Qui est-ce qui a envie de profiler pour eux? Il y a une foule là, il y a cadencé. Foule là, fière. Votre foule là, bien plein. Et foule là, marcher. Avec des pas fiers. Ils prennent la caillou. Comme si grand vous soucis de gagner. Bah, ça va résoudre Christ, va vous manger, ils sont satisfaits. Ils sont très fiers. Ils prennent aller. Il y a un disciple peut-être. Qui t'avait contourné par là, filé, allé, filé, suivre pour là, mais Christ pressuré, la montée de l'homme. Même si la foule là, on est très fier là, nous-mêmes, c'est pas que la communauté. Ouais, après ça, Christ lui-même, la prière, trois actions qui posaient. Et, on va faire tout au centre de tous les trois actions. C'est lui-même qui peut être là, aller. C'est lui-même qui peut se disciples monter par là. Et puis lui-même, là, la prière lui-même. Trois actions. Il pose une action pour vous là, ou action pour disciples. Et il pose une action peut-être pas. Il pose une action peut-être pas. Qui s'appelle nous là? Christ est au contrôle. Même si là,
ou refuser mon Dieu, la foule qui va prendre Christ dans la dimension comme sauveur. Mais quand vous cherchez à manger, et Christ qui est la dernière décision dans la vie. Et Christ qui veut y aller. Christ qui prend la dernière décision. Nous n'avons pas méprisé mon Dieu. Au dernier jour, et Christ qui a dit pas ton nom. Fais ici. Alléluia. Trois actions. Christ à la base de trois actions. Tous les trois actions posées, c'est à la Christ qui posait tous les trois. Tous les. Et pour comment vous posez action en fonction de qui catégorie. Pour la foule, c'est renvoyer. Christ prend décision. Pas besoin de pas de problème, mais Christ a renvoyé. Christ a renvoyé. Pas d'accord avec l'évangile, ou pas d'accord, ou pas d'accord avec la discipline de l'évangile. Son bénédiction, son message que ça a prêché. Ok? C'est son besoin. Et bien, ça va, on est plus qui a pris décision, qui a renvoyé. Et lui qui a renvoyé. Grand philosophe, mon Dieu va exister, acteur, orgueil, président, ceci, cela. Dernière décision, Christ a pris. Christ est pouvoir, Christ au centre de tout. Trois actions, c'est Christ qui pose tous les trois. C'est Christ qui est au commun. On met fou au dernier jour, mon cas doit croiser dans le monde. Fou n'a pas besoin, mon Dieu, le besoin à faire Jésus. Et mes dernières décisions, la vie, renvoyez au Christ prendre. Et Christ prend décision tout sur les disciples. Christ prend décision sur les disciples. J'ai ma contre là, qui c'est la pâte. Lieu d'épreuve, lieu de souffrance. Mais pas seulement lieu de souffrance, lieu de preuve. Mais son lieu tout pour le mettre fin à la souffrance là. Ok? Pour y aller à le chita, sous action que Jésus posait lui-même. Le nom Christ a prié. Alléluia. Christ. Seulement par la décision, ok, sur la vie nous, sur la vie nous, mais lui-même, il connaît ça tout fait, lui-même, il est responsable. En fait, toute prend décision, ça nous renvoie, ça nous voit dans la paix, il veut dans la paix, après ça, il dit responsabilité, pas première. C'est un Dieu responsable, c'est prier, aussi là, ça nous voit dans la maison là. C'est prier, c'est un Dieu responsable. Trois actions qui révèlent de nous dimension Jésus qui révèlent de nous de vous Jésus-Christ comme étant le centre de toute chose qui prend des décisions et des décisions de justice. Il revoit être là. Ok? C'est pas parce que là il y a comme si pareil, mais parce qu'il n'y a pas besoin, c'est revoir et le voir Dieu juste. Disciple lui-même, nous savons, il veut les épreuves parce que nous sommes pour lui. Il est juste, tous les trois actions, il est juste là-dedans. Et puis, il va avoir pour épreuve lui-même, puisque juste, il est obligé de tenir compte aussi de sa responsabilité de se rendre sur la montagne pour prier pour lui. Voilà. Trois actions qui posent responsable. Ma fini, on nous a. Même dans le verset 52, où après, Christ résout le problème de la bouteille. Et puis, il y a fait mention ça, il n'y a pas de comprendre la multiplication des pères. Ça veut dire trop, mais la banalité texte là bien, ça a été nous, où est clair. C'est parce que les gens ajoutent des bonnes leçons pour t'apprendre. Qui fait oublier, et puis plus sur leur forme, c'est le même genre. C'est la fini. Même genre, des bagages, c'est pas d'accord. Des bagages, c'est pas en temps de durée. La route de l'évangile, va pouvoir vivre l'histoire de la forme. Va pouvoir vivre quand même. Et bon Dieu dit pour nous, pour d'accord l'évangile là, la jeune nier lui-même, pour vivre l'évangile là, la jeune présenter. C'est pas dans la jeune, c'est pas dans la jeune que vous-même vous appelez. Elle dit, mais pour nous, réalité, c'est ça que réalité l'évangile là. C'est accepter les différentes phases. Chaque phase qui finit pour vous, vous prenez le droit aller. Pour ça, l'évangile. Pas souffre sa vie, même là. Mais enseignement qui n'a pas fait, une personne sauvée, c'est une personne qui se réjouit de la souffrance. Pas souffre sa vie, nous embrasser. Parce qu'elle soit un élément de ton salut. Souffrance pour avoir qu'on est pour un pas, soit un élément qui n'a pas de salut. Soit un élément qui n'a pas de partout, qui chrétienne et pour saisir. L'heure moment est fini,
moment bénédiction, moment pour te consoler, moment pour te toucher, lever, la dignité, venir, vous embrasser. C'est pour ça. C'est pour faire l'évangile, pas faire l'évangile avec volonté pas, mais suivant la volonté du maître. Chaque phase, chaque étape dans vous, chaque salon de vie, chaque moment que vous connaissez, quitte les bons, quitte les pas bons. Mais laisse-moi dans mon Dieu, pour mon Dieu avant, tout moment bon, toute chose qu'on peut, au bien de ce qui est Dieu, doit faire le plan. Et doit saisir, ouais, j'ai mon Dieu à passer à vous. Sous d'accord, vivre l'évangile comme ça. Sous d'accord, brûler les étapes comme ça. Les souffrances, souffrances, les bénédictions, bravo, merci Jésus, on va pas avancer. Les épreuves, en avant, on va pas. Tout d'abord, prenez l'évangile à différents étapes dans la vie, à chaque sac présenté, ou d'abord faire une claque comme ça, parce que Jésus, ça nous est capable, et ça nous a fait dans vous. C'est là la première des fins, nous souhaitons que vous ayez des mots, que vous ayez des mots, que vous ayez des mots, que vous ayez des mots.